Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé pour un nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire Raconte-moi ta passion. La passion, c'est ce que nous avons vu avec Anishrao Sadou, un passionné de la Ligue de Cross. Alors, à seulement 21 ans, il vient d'être sacré champion de Maurice en Ligue de Cross. Rencontre avec ce jeune qui est issu du club d'athlétisme de Pavillon de Quatre-Bornes. Donc, il est le champion de Maurice en Ligue de Cross 2024 chez les seniors. Anishrao Sadou, tu viens de remporter le titre de champion de Maurice en Ligue de Cross cette année-ci en mars 2024. Alors, raconte-nous un petit peu ton début en sport. Déjà, un grand passionné du sport. Donc, il n'y a pas que l'athlétisme, mais tu fais une fête au début avec le football. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé comme si petit, moi, j'ai bien nasé et tout. Tu vas en compétition et on soit là. Et après, moi, j'ai commencé le football pendant 10 ans à peu près. Au sein d'esprit, moi, j'ai fait intercollège football. Et après, comment on a cross-country, cela, on commence à faire cross-country à l'école. Et après, on a une passion pour l'athlétisme. Après, on commence à faire man cross et tout. Et on qualifie pour man jeu intercollège. On représente mon collège, cet esprit. Et moi aussi capitaine mon collège pour mon dernière année. Et en équipe, nous aussi gagné champion régional et national sur le cross-country en équipe. Et après, on a en même temps, j'ai une passion pour le trail. J'ai commencé pour le trail pendant un an à Paula. Et après, j'ai shifté le cross, la piste un peu et la route. Et après, j'ai commencé à gagner l'envie, continuer à galper. Et là, j'ai commencé à entraîner vraiment. À seulement 21 ans, tu détiens le titre de champion de Maurice chez les Signaux. Ça a commencé avec le football et Castella, je ne dirais pas terminé, mais l'Ifdevina. À ton pic avec l'athlétisme, plus précisément la Ligue de Cross. Alors, dis-nous un petit peu ton début en Ligue de Cross. Bien sûr, tu as fait un passeport différentes catégories. Raconte-nous sa évolution-là. Ok, moi, j'ai commencé en junior. Ici, vraiment difficile à cause de moi, entraîner tout ça. Mais petit à petit, nous entraîner, nous améliorer, nous progresser. Et la détermination, motivation. Et petit à petit, nous commençons améliorer et tout, et nous gagne l'envie galoper. Et moi, si tu veux, ça l'envie gagne titre champion de Maurice. Et avec tout ce travail qu'il me fait, tout le monde d'entraînement, tout le monde de souffrance et tout, et que l'aide de mes parents, mon frère, aussi, mon camarade et tout, qui me soutenait à moi, mon récit, une champion de cross en 2024. Dans tout ce qui te fait, Azo, dis que tu es arrivé à Anishrao Sadou, il y a le soutien, te finis à moi, de tes parents. Amis, proches, donc sans ça, tu pas tu arrive que tu étais à Zodi. Mes parents, ils vraiment aident moi de tous les aspects, financièrement. La course à pied, c'est un sport qui nous dit qu'il est assez. Pas besoin de beaucoup d'argent, mais vous devrez besoin assez d'argent pour faire ça. Besoin d'équipement, nutrition et tout. Et aussi de transport à l'entraînement, retourner et tout. Mon parent est vraiment aidé moi là, même mon frère que moi aussi. Et mon camarade aussi soutenir moi, je donne moi ma petite affaire et tout. Et que moi vraiment apprécie cette aide. Et vraiment, l'aspect psychologique. Et dans un peu moins bien, mais mon camarade dit ouais, nous allons galper. Et qu'ensemble, nous faisons un travail d'équipe. Et malheureusement, je ne suis pas là, je suis aussi travail et que je ne suis pas libre, mais ainsi penser à eux. Et à tout le monde qui m'ont content et tout. Pinina, comme tous les ans, pour l'édition 2024 de la Ligue de Cross, finit à 5 étapes. Tu fais une sans faute dans 4 étapes là-dedans, dans une avant-dernière étape, tu n'as pas fini de participer. Alors raconte-nous, tu as une expérience, tu as une différente étape qui tient un petit peu partout à travers le pays. Ça n'est là, mon objectif principal, c'est partir le cross, c'est vraiment une préparation. Mais la première manche, c'est difficile. En fait, l'automne, manche, c'est un adversaire qui est vraiment faux. Mais je me donne mon meilleur et je me fais 4 manches à cause de mon petit blessure honte et du coup je me suis coupé pendant une semaine, deux semaines pour là. Mais ma manche est vraiment, vraiment intéressant. Ma l'entre là est aussi très, très intéressant. Il commence bambou, après on a le stade d'Anjalé. Troisième manche est Palmo. Quatrième manche est mon choisi, mais je ne pas faire. Et cinquième manche c'est ici à Stodnac. Et du coup c'est vraiment intéressant. Il y a un peu qui est vraiment exigeant, surtout ici. Et vraiment la chaleur, in vraiment petit contenu, en plus en plein été.
Mais ouais, médecine, vraiment l'expérience vraiment, vraiment qui m'a apprécié. Et ouais, j'espère que l'année prochaine aussi, plus possible, intéressant et tout. Et vraiment, j'aime beaucoup Jimin Loban Crossa et ça m'a vraiment apprécié ça aussi. C'est la première fois qu'il montre aussi beaucoup Jimin Loban Cross. Et c'est vraiment. Ça fait vraiment plaisir qu'il montre un jeune, puis comment se galper, puis comment se faire spo et tout. Et il est vraiment bien pour nous, c'était. Allez, Charles Sadou, dis-nous un petit peu, toi à l'université de Maurice, tu as les études d'un côté, tu as le sport de haut niveau de l'autre côté, et aussi ça comprend les compétitions et les séances d'entraînement. Dis-nous un petit peu comment tu arrives à gérer tout cela. À l'université de Maurice, je fais la médecine, mon troisième année. Et il est vraiment dur pour balance, sport et l'étude, mais quand on fait des affaires, nous trouvons tout le moyen pour rester à l'île. Et que mon accou 5 à 6 fois par semaine, et m'entraîner aussi 5 à 6 fois par semaine. Mais il est vraiment bien motivé, déterminé, et que bien vraiment un plan. Et me fait beaucoup de sacrifices aussi, je ne vais pas amuser comme les autres camarades et tout. Mais mon compte fait sport, et que. On doit prendre soin de moi et tout. Et on a l'envie de gagner. Et que ça fait moi récif, gel les deux côtés. La saison est très bien commencée pour toi 2024 avec un titre de champion de Maurice, donc un rêve qui vient de réaliser Anishra Sadou. Qu'est-ce qui t'attend maintenant pour le reste de 2024? Là, moi, commence ma préparation pour la piste. Mon PV vise 1500, 3 000 m et 5 000 m. Et l'objectif premier c'est améliorer mon recolo là et pourquoi pas chercher des autres titres nationaux et après ça me bascule la route et aussi roadman recolo là. Est-ce qu'il devine déjà participe dans une compétition ailleurs, à Nishra, que ce soit au niveau régional ou continental? Jusqu'à présent non, on n'a pas encore gagné aucune opportunité mais j'espérais qu'il avec le temps il est venu. Qui constate faire concernant la pratique de ban long parcours parmi ban Mauriciens? Est-ce qu'il te trouvait, il y a de plus en plus de ban Dimoun qui est intéressé à faire ban long parcours? Je veux dire, dans plusieurs catégories d'âge, comment te trouve la situation? En fait, ouais, ça, là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui commencent à faire cross et tout. Je trouve aussi beaucoup de filles qui commencent à faire cross. C'est la première fois que je trouve autant madame et tout, c'est le cross. Et que, ouais, je trouve aussi c'est le trail, il y a beaucoup de jeunes qui vont participer maintenant. Et que, très aussi très accessible à tout le monde, n'importe quel niveau. Et même le cross aussi. Et je encourage les jeunes, moins jeunes et tout, commencent à faire espo, cross, n'importe qui, ce qu'ils sont contents. Pour être un sportif de haut niveau dans un long parcours, Anishra Sadou, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier qui te bien suivre ou bien tu peux manger, je veux dire, pas n'importe quoi, mais tu as manger n'importe qui, mais manger sainement? Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment un régime strict. Je mange bien, mon gars, mais aussi mon petit écho qui me fait, je mange gâteau, comme tu dis. Mais aussi, quand j'arrive à la compétition, je commence hydratement bien, je augmente mon apport en calories et tout. Mais ouais, c'est très basique, je n'ai pas aucun régime strict. Pour être un coureur de ban long parcours à Nishrao, est-ce qui selon toi qui ban atout et ban qualité bizaine pour faire de toi un bon coureur de demi-fond et de ban long parcours? La patience, à cause nous passe beaucoup de temps entraîné et c'est vraiment la patience et aussi la motivation, détermination. Et n'a pas envie d'entraîner, mais il se connaît où vous allez entraîner pour améliorer et tout. Mais ça, il vient en pas l'entraînement et tout. Mais ouais, c'est la patience, besoin passionné et pas besoin commence très rapidement, n'a pas risque blessé et tout. Me blesser aussi quelques fois de mon collier et c'est vraiment la patience, bien calme, posé, tranquille.